Franchement, au départ, je me disais, est-ce que j'aurais le niveau? Parce que je sais que j'étais bof. Franchement, je dois l'avouer, j'étais pas terrible. Mais là, franchement, j'ai pris un up de fou. On me motive et puis là, je deviens un gardien vraiment intéressant. Beaucoup d'émotions. Il y a eu des matchs de ouf. C'était un truc de ouf. Ouais, beaucoup d'émotions. Sincèrement, le fait de jouer ensemble, c'était un truc de ouf. Ça décuple les émotions, en fait. Ouais. Il y a eu quelques matchs assez compliqués. Ça... Allez, let's go. Oui. Yes. Allez, Aurel. Ouais, Ruben. Super. Allez, ça part. Parle tout de suite. Magnifique. Allez, parle tout de suite. Yes. Ça, ouais. C'est bon. Tiens. Super flow, magnifique. Super sensation. Magnifique. Projet tous devant nous. Magnifique. Et le lob. Oh là là. J'ai. Ruben. Jouer flow. Ouais. Quelqu'un veut le péno? Toi, c'est franc, je moi je le donnerais bien à Morju. Ah, Morju. Mais ça coup franc, je crois. Non, c'est mal placé pour ouvrir. Non. Tu regardes. Et voilà. Bien joué, Ruben. Le truc automatique, hein, j'aime ouais, bien. C'était bien facile. Allez, hein. Le gros. Allez, prochain match. Les champions. Allez, dernier, les gars. Les champions. Il y a eu des matchs où c'était vraiment super chaud. On a eu un biscotte on fire sur certains matchs et il nous a vraiment bien sauvés. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on est 7. Du coup, il y en a tout le temps un qui tourne. Donc on fait des équipes de 6 à chaque fois. Il y en a un qui se repose, qui peut un petit peu se reposer, calmer ses yeux. Parce que franchement, je vous assure que les yeux, ça fatigue, quoi. Tiens, bien joué. Super, super. Non. Allez, les gars, c'est pas grave. Aïe. Non. Bien joué, biscotte. Allez. Rentrez. Oui. Voilà. Alors, on marque le plus vite possible. Faites gaffe. Tranquille. Ça va centrer. Tranquille, il est le seul pour. Ça va centrer. Faites gaffe, maintenant. Ouais, super, petit retrait. Magnifique. Et encore. Allez. Allez. Ah, non. Allez, les gars, allez, quoi, allez. J'ai. Oui. Non. Ça aurait été tellement bon. Tu peux centrer. Entre, hein. Tu peux centrer. Petit retrait, sinon. Allez. J'ai. Oh, t'es seul. Wouah. Super. Oh, le but. Allez. Je vais, les gars. Oh, il est super petit, ce but. Comment tu fais du bien celui-là. Ouais, j'aime pas. Je vais. Yes. Pour ça, je vais rêver de FIFA au bout d'un moment à force de jouer. C'est un premier truc. Il est 20h26, jour 3. Ça joue derrière, ça se détend un petit peu, mais dans quelques minutes, ça va moins rigoler parce qu'on va reprendre la série. Il nous reste 15 matchs. On est à 35 matchs. 33 victoires, 2 nuls, 0 défaites. Faut qu'on réalise 15 matchs d'affilée sans perdre et on réussira le défi. Ça va être chaud, mais on va tout faire ce soir. Parce que je pense qu'il faut vraiment tout faire d'un coup, à part si y a un problème technique ou genre il n'y a pas beaucoup d'adversaires, je sais pas, mais normalement on devrait tout faire ce soir. Qu'est-ce que tu fais là, Vincent? C'est psychologique, tiens, en vrai, c'est pour toi. Merci Vincent. C'est des bonbons. Merci. Un petit bonbon pour chaque personne. Oh non, j'aime pas ce ceci. Il va me donner la chasse. Est un boost, pas un vrai bonbon. C'est un boost pour nous doper un petit peu, mais je le dis pas. Ah merci, allez, c'est eux. Oh, ils sont deux. Ils sont deux, allez. Allez, Arsène. Finissez le moi. Comment? Allez, bien joué les gars. Super Flo. Allez, comment? Bien joué les gars. Bien joué mec. Et Flo. C'est splendide. Super. Ah dommage. Non, oh, je remets. Super. Oh là. La spontanéité. Voilà, c'est ça que c'est la vie de Clément, les gars. La spontanéité. Boum. Je l'attendais tellement pas là. Moi aussi je croyais pas du tout. Lève-toi aussi, gars. Oh là, qu'est-ce que c'est bon! Comment? Bien joué les gars, 3-0. Allez, ça fait 3-2. Et allez! Voilà, ça commence à faire c'est bien, ça va. Allez, go! 4. Allez, pour moi. Allez. Allez. Et gauche, je m'enroule. Oui! Super! Bouillant! Biscuit, chaud. Parfait. Allez, Flo. Fini. Oh là, avec plus de 15, tu peux pas, quoi. Ça c'est de la lucarne, bien joué. Allez, contrer, on a pas joué. Allez, Flo. Dommage. Poum. Allez, Flo. Comment? Yeah. Super, Ruben. Magnifique.
plus à Ruben Saint-Pierre que ça. Mais. Deuxième. Bah, bâtard! Oui, bien suivi. Bien suivi. Bien joué, les gars. Vous pouvez la mettre? Allez, 5-0. Ouais. Eh, mais j'ai une question. Il est gaucher ou il est droitier? Il est gaucher. Gaucher. De bâtard. Je vais gardien, il s'est sauvé. Ouais. Oh. Jouer. Non. Ah, non, non. Dommage. Ah, c'était bien joué. Pas grave. Waouh. Waouh. Tu as rigolé. J'ai. Oh, ils ont bien. Ouais, 10 minutes. Que avec les commentaires. Je vais t'es fait jouer. Je vais t'es un peu. Sinon, devant avec Flo et Aurel, c'est un super duo avec Biscuit également, parfois qui est un peu partout. Biscuit, on voit un peu partout. On va espérer aller chercher le 50-0 ensemble. Et en tout cas, merci à tous de votre soutien. Vas-y, go, allez, bon match. Encore. Sérieux, les gars. Allez, les gars. 4, tu fais un gardien, allez. C'est bien. Je reviens. Bien joué, Ruben. Encore. La centrée. Bien joué, Ruben. Quel parade, pas fini. Ruben. Jouer, Ruben, la radio. En deuxième. Oh la vache. Aïe. Lève-toi, gardien. Gardien. Ouais, Ruben. Gardien. Ouais, il vient. Petit pont, c'est pas grave. Allez, les gars. Allez. C'est de moi. Allez. C'est sans tête. Allez. Oui. Non. On revient. Magnifique. Allez, ferme. Les gars, on joue très bien en attaque. Allez, les gars, on joue vraiment très bien. Rien à dire. Oui. Bien joué. Magnifique, Flo, la machine. Ah, c'est marrant, on récupère. C'est pas fini. Retrait. Voilà, c'est bien. C'est bien joué, c'est ça qu'il faut faire. Au centre. Yes! Chalala, 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 oh oh! Allez, c'est bien ce qu'on fait. Hein. Ils sont pas mauvais du tout, hein. C'est bien ce qu'on fait. Ouais. Allez, pour Flonox. Rigolo! Oui! Yes! Ça c'est génial ça! Super, mec! Ça c'est génial! Jouer les gars! Super! Magnifique! Super, super! Oh, belle talonnade! Ah, ouais, c'est ça finit. Yeah! Let's go! Sérieux avant la mi-temps, pas de but. Gros poteau, faites gaffe, gros poteau. Gardien, on va aller. Sors, Tu fais quoi? C'est pas grave. Mais Arsène, des fois il y a des passes, tu sais, des 1-2 que je peux te faire. Mais vu qu'il y a 3 mecs devant moi, j'ose pas trop, tu sais. Si je la perds, c'est la merde. Ah ouais? On va centrer plutôt que prévu. Oh, fuck! Bien joué, c'est n'importe quoi ce match. Waouh! Oh l'arrêt. Allez. Nice. Tout seul. Allez. Deux heures s'il faut. Allez, bien. Yeah. C'est magnifique. C'est du bien. Bien joué, Flo. Bien joué, Flo. S'il y avait 4-1, j'aurais dit. Putain, je perds la passe. T'as pas la passe? Moi, j'ai pas la passe. Allez, Flo. Coach, on donne au gardien? Non. Pas le bâtard. Début des 15, non. Ça peut arriver très vite. Allez, Flo. Bien joué. Il est vénère. Dégage. Ouais, super bon. Ah, super. Allez, fort. Allez, Aurel. Allez. Oh, mais c'est pas possible. Bien. Magnifique le pressing. Allez, Flo, allez, prends celle-là. Allez, Flo. Matchs qui vont être durs. Mais franchement, j'y crois parce que l'équipe est exceptionnelle. Il n'y a rien à dire sur l'équipe. On va le faire pour nous comme pour vous. 41ème. Allez, les gars, 41ème match. Ils sont 5. Allez. Mais 5, pas de gardien. Ça marche. Et le joueur du Lille, si je ne me trompe pas, c'est le MC. Attention. Ça va être très. Ça va centrer, ça va centrer. Oh là. Il est grand. Allez, on jette pas, on s'est empêché. Bien joué, Ruben. Ah, ça me saoule de merde. Putain, je la sors et tout. Deuxième.
Aïe, Joujou, encore. Aïe, putain. Attiré. Bien joué, Ruben. On aura besoin de toi, Ruben, dans ce match. T'auras plusieurs arrêts à faire, je pense. Concentrez, les gars. Concentrez. Mais non. Ah, il faut que te centrer, les mecs. C'est purée. C'est impressionnant, ça. Oh, putain. Tac. Allez, Flo. La faux. Rouge, peut-être. Essayez de jouer un peu. Ouais, je l'attends. Non. Ouais, mais on a jamais fait. Bah, tirer peut-être. Attends. Non. On a jamais fait. Enfin, on fait quoi? On franchement, fait quoi? Une petite passe à Flo. Je sais pas. Flo, Flo, Flo. C'est trop de chats. On aurait dû aller. Non, le gars. Non, mais s'ils en mettent un, c'est. C'est quasi fini. C'est ça le truc. Faut pouvoir reprendre un autre. C'est surtout ça. Allez, je pars. Premier poteau comme d'hab, on sait faire un deuxième. Oh l'arrêt! Allez, pareil, le même, ouais. Allez. Mais attendez, mais c'est qui en face là? Le gardien, c'est n'importe quoi. Allez, t'es seul. Ah, je suis trop collé, je suis con. Super. Oh putain c'est fini. Oui, je vais aller. Allez, on va prendre la balle. Ah putain, il fait chier. Bon, c'est la fin de la série, franchement, en France on est tous dégoûtés, voilà, on est tous dégoûtés, on a perdu au 41ème match. Franchement c'est horrible, c'est horrible quand tu mets tout cet engagement, cette volonté dans le défi. On était très bien, après je sais très bien ce défi, je l'ai fait plusieurs fois et il y a des matchs, il faut avoir le truc, le petit truc en fait. Il y a un moment vraiment, il y a un tournant du match, on a mis deux poteaux très rapidement d'affilée. Ah non, même il y a eu le gardien qui a fait corner, des très grosses arrêts aussi. Mais le gardien aussi, il a fait une parade dans la lucarne en corner. Et à un moment, il y a une frappe aussi, il fait une parade. Ouais, c'est un le gardien était très bon au moment clé. Il y a plein de facteurs. Enfin là, c'est notre premier match, on reprend la session. Moi, je trouve en tous les cas que on n'a pas été au top du top offensivement. Même défensivement. Moi aussi, c'est vrai qu'autant de défensivement, j'ai rien pu faire. Ils faisaient des centres, buts. Après, voilà. Forcément, dans une série de 50 matchs, il y a des matchs que tu joues moins bien et des matchs que tu joues mieux. Donc. C'est dommage parce que tu es proche du défi, mais. C'était une équipe qui avait de l'expérience, ça se voyait, ils jouaient tranquille, ils jouaient l'arrière, ils gagnaient du temps un petit peu. Et c'était pas forcément une de la meilleure équipe qu'on ait rencontrée. Je pense que on aurait dû les battre. Offensivement, en fait, on a fait trop d'erreurs. Je sais pas si c'est le stress ou quoi. En fait, même si défensivement, on a toujours des loupés, des trucs comme ça, offensivement, il faut qu'on soit parfait sinon. On est dans un match où on se craque. Offensivement, on n'est pas fou et défensivement non plus, parce que des fois, on en prend 3 mais on en met 6 derrière. Là, on en prend 3 et derrière, on en met 15, donc forcément. Quand il n'y a pas la défense qui l'attaque, ça paye cash. Ouais, exactement, c'est ça en fait. Mais voilà, je sais que dans notre forme optimale. On perd pas ce match. Bah non, bah alors. J'essaie de nous réconforter, mais en tout cas, j'espère que vous êtes quand même fiers de nous. Hein. En tout cas, on peut applaudir quand même les gars, ça va pas être une belle série. On est de Gear qui du coup nous a sponsorisé cette maison, etc. On va aller jusqu'au bout et on va jouer aux 50. Je pourrais vraiment avoir une défaite et pas plus. On va essayer de faire le maximum. Et comme ça, si ça vous plaît, vous mettez un maximum de pouces bleus et tout. Peut-être qu'un jour il y aura une saison 2. Après avoir perdu, on a donc pu continuer jusqu'à 50. On a malheureusement perdu un autre match. Et dans le tout dernier match, le 50ème, on perdait 2-1 jusqu'à ce que. Allez. Allez, c'est mon pro. Les pros. Heureusement, c'était ton pro et pas un autre défenseur. Oh, l'attaque de fou, il a fait du bien. Je me suis dit, pourquoi je l'ai marqué, je me sentais. Franchement, bon, même si on est déçu parce qu'on a fait 2 défaites, mais quand même, les statistiques, elles sont énormes et les stats sont folles. Bon, après, je rappelle qu'il y a un petit mélange, hein, parce que Clément joue avec le pro d'un F5, etc. Mais bref. Arsenal joue 47 matchs, 26 buts, 37 passes décisives. C'est vraiment beau. Biscotte, bon, pas trop les statistiques, mais je tenais quand même à dire qu'il a fait de gros progrès par rapport au tout début de la série où c'était. Non, pas tout début de la série, mais juste avant ce tour, on s'est chauffé et tout. Même quand on faisait des vidéos aussi, chacun chez soi, que tu t'es amélioré, donc bravo à toi, Biscotte. Flonote maintenant 50 matchs joués, 99 buts. Ça, on était presque là. Ah, 99 buts, c'est.
et 35 passes décisives. Bon, Biscuit, il a tellement joué que l'autre des autres pros. On va pas vraiment dire quelque chose, enfin, ça veut rien dire en fait. Il a 100% de victoire. Morjus. Exceptionnel. Morjus, franchement, c'est vraiment. 44 matchs joués, 2 buts, 5 passes décisives. Au niveau des passes réussies, 91%. Il a augmenté c'est par meilleur. Rapport à. Il avait 90 hier soir. Et pour Aurel, il termine avec un total de 30 buts et 48 passes D. C'est le meilleur passeur de l'équipe. Je m'étais peut-être pas assez entraîné avant. Et puis bah c'est bien parce qu'on a quand même bien joué, on a bien tenu. J'ai vu vraiment une belle cohésion d'équipe, c'est un bel esprit. Genre à chaque but et tout, il y avait une émotion. C'était limite un vrai match de foot quoi. C'est une superbe expérience, c'était vraiment cool de jouer avec tout le monde dans la gaming room, la Vizca Gaming Room by Netgear. Une belle cohésion d'équipe. Bah je tiens le prix. Merci à tout le monde, merci à Vince de nous avoir proposé de participer. À ça. Moi je pense un peu comme vous. Déjà merci à Vince de nous avoir permis de réaliser ça parce que c'est un truc de fou. On a vraiment rigolé, on est restés tous ensemble et on a vécu des trucs de fou. Donc c'était cool. C'est vraiment dommage pour la série. Je suis dégoûté. Un peu comme vous je pense. On essaiera peut-être de faire cette série lors d'une saison 2. J'espère qu'on va aller chercher cette 50e, un de ces 4. Donc lâchez des commentaires et des likes les escrocs et puis on se retrouve une prochaine fois. Merci pour le cadre et tout, c'est vraiment top. On a vraiment kiffé. J'ai rencontré un peu les gens en plus physiquement, genre Arsène, etc. Je les avais pas jamais vus en vrai. Je suis beau. Ouais, t'es plus beau en vrai que sur les vidéos. Merci. Par contre, t'es moins fort en vrai. Et surtout, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment l'état d'esprit. Je pense que le fait d'être joués tous ensemble ici sur place, vraiment, ça nous a transcendé. On est arrivé à 40, je pense, c'est vraiment, vraiment super. Enfin, moi, en tout cas, j'ai kiffé. Et puis, merci à tout le monde pour pouce bleu, pour l'engouement. Merci à Vince, merci à Netgear. Là, je voudrais remercier Vincent pour cette semaine magnifique. Netgear, espérons qu'il y ait une saison 2 avec les cœurs brisés. L'équipe. Les cœurs brisés. Bah, ouais, mais je veux pas briser ton cœur. Oh! C'est tout pour nous, Peace and Game. Le foot c'est bien, mais FIFA c'est cool aussi. On s'est bien battu quand même, franchement, c'était vraiment un très très beau moment. Réussir 40 matchs sans défaite, c'est déjà une très très belle performance. Lâchez un maximum de pouces bleus si vous voulez une saison 2. Voilà, merci à vous les gars. Voilà, c'est l'avant-dernier jour de la Villa, c'est samedi. Si vous voulez, en fait, c'était le 35e, on avait fini, on s'est dit on va finir les 15 matchs. On en a fait 5, et puis après on a été manger, puis c'est direct qu'on est revenu manger. Au final c'était un club que normalement, je pense si on faisait 10 matchs on les battait 9 fois, on en a fait un, puis ben, on a perdu la seule fois. Après voilà, je le dis souvent, mais merci beaucoup, vraiment merci beaucoup à que ça soit Vinsky et Netgear, parce que c'est grâce à eux qu'au final j'ai pu réaliser quelque chose comme ça il y a 2 ans en arrière, 4 ans en arrière, excusez-moi, je suivais Vinsky sur FIFA 14, puis là je me retrouve aujourd'hui avec eux. C'est complètement fou. Merci beaucoup en tout cas à Vince, c'était vraiment cool. J'espère qu'on fera ça parce que franchement j'ai passé des moments énormes. Merci à tout le monde, merci Netgear. Bon bah les gars, c'est la fin. Merci à tous pour votre soutien. C'était vraiment une super expérience, super enrichissante. Enfin moi j'ai vraiment kiffé jouer avec toute l'équipe, de les voir physiquement. Et puis bon, on n'a pas réussi le défi mais sincèrement on n'était pas loin, on a fait vraiment des super performances. Je pense qu'on a surtout réussi à conserver notre jeu, à essayer de jouer au sol, en espérant peut-être une saison 2, ça serait vraiment super. Voilà, plein de pouces bleus comme dirait Vince. Puis bah à la prochaine les gars, et merci à Netgear, top. Donc soirée Vince KSC, bonsoir à tous, Julien. Tu sais, je commence à parler aussi. Bon, je suis arrivé au feu de camp, j'ai voté pour Aurel FCN. Tu jartes Aurel. Pas de gâteau apéro. Ramène ton flambeau.